Avec mon cher collègue James Woody, nous avons choisi de suivre pour ce Noël l'Évangile selon Jean. Et nous commencerons par la géniale méditation qui ouvre son Évangile. Cette introduction, ce prologue a valu à Jean de se voir attribuer la figure de l'aigle pour sa hauteur extraordinaire de vue, comme si Jean nous donnait ici un point de vue céleste, un point de vue quasi divin sur la réalité du monde, sur notre vie et sur ce qu'apporte le Christ. Les autres évangélistes se sont vus donner les trois autres faces des anges tétramorphes dont parle Ézéchiel, le lion, l'homme, le taureau. On voit la différence. Alors voici ce formidable prologue de l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à laisser résonner en nous ce témoignage de Jean, eh bien je vous propose de chanter dans le recueil Louange et prière, le cantique 90, les trois premières strophes de ce cantique de Noël, brillante étoile du matin. Thank you.
Éternel Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à avancer. Grâce au témoignage que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir, méditer afin de mieux te connaître et t'accueillir. Aide-nous à recevoir ta parole, cette parole unique que tu as pour chacun de nous au plus profond de notre être. Parole pour nous ressusciter maintenant, pour nous donner la joie profonde en plénitude qu'a le Christ, et pour remplir aussi nos cœurs d'affection vraie pour ceux qui sont autour de nous, pour toi notre Dieu, et pour nous-mêmes, pauvres brebis. La parole de Dieu a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et de cette plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Voilà l'évangile de Noël, mais en fait, voilà l'évangile tout court, en quelques mots. Nous avons tous reçu de cette plénitude de la parole de Dieu faite chair en Christ. Tous, sans qu'aucune exception soit posée par Jean dans cet évangile. Tous les bons chrétiens comme les moins bons, les chrétiens comme les autres croyants, les croyants comme les athées, les gens généreux, mais aussi les méchants. Selon ces paroles de Jésus qui nous affirme que Dieu aime jusqu'à ses ennemis, qu'il bénit même ceux qui le maltraitent, qui le persécutent et qu'il fait du bien à ceux qui le maudissent. Nous avons tous reçu de la plénitude et grâce pour grâce. Alors qu'est-ce que ça veut dire, grâce pour grâce? Nous avons dans ce prologue de Jean quatre fois ce mot de grâce, charis en grec. Et ce sont les quatre seules fois de tout l'évangile, la finale de l'évangile étant plus sous le signe de la joie en plénitude, la joie chara qui est la même racine que celle de la grâce, charis, qui est ici en plénitude, comme si c'était là la source finalement de cette joie en plénitude que nous promet le Christ. La grâce dans la Bible, c'est comme quand un roi pardonne à l'un de ses sujets et le relève. La grâce, c'est ainsi la promesse que Dieu nous garde et nous gardera fidèlement envers et contre tout. La grâce dans la Bible, c'est comme quand ce roi donne un cadeau au-delà de ce qui est simplement dû, une gratification. Et venant de Dieu, ces dons sont comme des miracles surgissant dans nos vies, comme par surprise. La grâce, c'est quand quelqu'un est attirant sans être nécessairement beau. On dit qu'il a de la grâce, du charme. En réalité, c'est surtout cela, la grâce de Dieu. Il est amoureux de nous. Et cela explique tout le reste. Cette absence de chantage et cette générosité, nous voyons bien en Christ que Dieu est fou, amoureux, raide, dingue de nous. Ce regard positif qui pardonne et voit le bien en nous, c'est un amour en fait. C'est donc plus éternel que mille diamants, cet amour, c'est la fidélité de Dieu. Sa parole a été faite chair et elle a habité parmi nous.
elle habitait parmi nous en Jésus de Nazareth. Il n'est pas une idée abstraite ni un conte pour enfants, mais un homme qui a habité sur la terre. Jean en a été témoin et bien d'autres humains, hommes, femmes en ont été témoins et le monde en a été bouleversé. Mais cette expression « la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous » est une phrase à double sens et quand une expression est ambiguë dans la Bible, c'est rarement par maladresse. Mais c'est en général une ambiguïté pleine de sens, pleine de vérité. Ici, parmi nous, peut se traduire aussi bien « en nous ». La parole a été faite chair et elle a habité en nous, en chacun de nous, puisque nous avons tous reçu de cette plénitude de grâce et de vérité. Et que cette lumière, elle a été au bénéfice de chacun. Jésus-Christ nous a fait découvrir, oui, que Dieu est tendresse et fidélité, mais aussi que la parole créatrice de ce Dieu s'est incarnée en nous, au plus profond de nous. Et qu'elle est ce qu'il y a de plus vivant et de plus beau en nous, de plus personnel, de plus intime. Il nous a montré que cette parole, elle prend chair parmi nous aussi, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus beau dans nos relations avec les autres, ce qui est source de joie. Elle nous a montré, oui, que dans cet amour, nous sommes un petit peu capables parfois d'un amour qui est plus fort que tout, qui l'emporte sur toutes les négativités, d'un amour même qui l'emporte sur la mort. Jean nous dit que cette parole faite chair, elle a habité parmi nous, qu'elle a habité en nous. Et cette habitation est ici littéralement, avec le mot qui est utilisé, comme dans une tente de nomade, qu'un nomade dresse aujourd'hui pour le temps de l'étape avant de se remettre en route. Et c'est vrai que Jésus est vite passé en ce monde, passé comme une étoile filante, et pourtant, les échos de son passage ont profondément transformé le monde, l'ont mis en chemin, l'ont mis en route, l'ont mis dans une dynamique, et que cette dynamique du Christ peut transformer notre monde en joie pleine, en joie en plénitude. Alors bien sûr, cette qualité, cette transcendance n'existe en nous que comme un petit enfant, nous dit Jean, un enfant de Dieu. Mais elle existe, cette dimension, ne le sentez-vous pas au plus profond de vous-même? Et ne reconnaissez-vous pas cette dimension dans chaque autre personne que vous croisez quand on l'a un peu découverte en vérité? De cette plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce, nous dit Jean. Cette expression « grâce pour grâce », « carine anti caritos », elle est elle aussi ambiguë. Et là encore, c'est une ambiguïté qui est vraiment riche de sens. Nous n'avons pas à choisir un sens parmi les multiples, mais à tenir tous les sens en même temps. Nous avons reçu grâce sur grâce au sens d'une accumulation, d'une telle avalanche de cadeaux que la grâce de Dieu n'a jamais fini finalement de faire surgir en nous, parmi nous, dans nos relations, par les autres, pour les autres, par la foi, par des gestes, par une parole, par des signes. Et donc que Noël nous donne d'ouvrir les yeux chaque jour sur une grâce supplémentaire que Dieu a préparée spécialement pour nous, grâce qui nous surprendra par sa nouveauté, bien sûr. Mais nous avons aussi reçu grâce après grâce, au sens d'une succession ininterrompue de grâces dans notre existence et dans les temps, venant accompagner chaque moment de notre transhumance en ce monde. Alors nous pleurons souvent sur ce que nous avons perdu. Il y a tant de trahisons, de déceptions, de pertes, de fragilités, oui, mais Dieu ne se lasse jamais. À chaque période, à chaque seconde de notre vie, Dieu nous donne une grâce nouvelle, une étape nouvelle. En Christ, nous voyons Dieu s'approcher de chacun pour le guérir, pour le ressusciter, pour l'interpeller, pour l'accompagner, pour l'encourager ainsi. Le don de la loi était une grâce reçue avec Moïse. L'Esprit qui a fait parler les prophètes était une grâce et de tout cela nous sommes bénéficiaires. Christ est une nouvelle étape, toute nouvelle, décisive, ultime, pleine de vie pour le monde.
et nous avons reçu ainsi grâce après grâce. Nous avons aussi reçu d'être habités par la grâce en échange, en réponse d'une grâce première. Anti, c'est peut-être ça aussi le sens de ce petit mot grec. Et c'est cela également, finalement. En Christ, nous découvrons ce que c'est que la grâce de Dieu, non seulement pour l'humanité, mais pour nous et pour chacun. Et donc, grâce à cela, il n'y a plus de chantage possible. L'amour de Dieu est donné sans condition, la vie est donnée à chacun sans condition, la vie éternelle. En Christ, nous savons que tout cela a déjà été accordé, déjà donné, promis. Et donc, si nous faisons le bien, si nous honorons Dieu de notre élan vers lui et de notre élan vers le prochain, ce sera alors nous-mêmes par grâce, puisque tout a déjà été donné. Et donc, notre grâce à nous répond à la grâce de Dieu manifestée de façon si éclatante en plénitude en Christ. Oui, la parole de Dieu a été faite chair avec une incroyable plénitude en Jésus de Nazareth, dans sa chair. Mais le mot « chair », lui aussi, est à double sens, cette fois-là dans l'hébreu de la Bible. Le mot « sarx » grec traduit l'hébreu « bassar », dont la racine signifie à la fois la chair, « bassar », et l'évangile, la bonne nouvelle, « bessora ». Et donc en Jésus, oui, la parole de Dieu a été faite chair, elle a été faite un être de chair, de viande et de sang. Mais elle a aussi été faite évangile, bonne nouvelle. Alors jusqu'au jour de Pâques de l'an 33, la parole a été faite chair en plénitude pour une fois. Mais pour nous, la parole de Dieu demeure. Elle a été faite évangile, elle a été faite bonne nouvelle, portée par les paroles, par les gestes, par la vie dans la chair en Jésus de Nazareth. Mais aussi par la bonne nouvelle de chacun de ses gestes, de sa façon d'être, qui nous parle de la grâce de Dieu, grâce qui seule rend possible de vivre à notre tour par la grâce, aimant pour le plaisir de faire du bien, pour la joie d'aimer et de faire circuler cette grâce. Amen. Nous poursuivons donc cette lecture de l'Évangile selon Jean pour y lire la nativité, en quelque sorte, que l'on peut y trouver. C'est au chapitre 3, et je vais vous lire les 16 premiers versets de ce chapitre 3.
Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, au sens de Sarx. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? » en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Chers frères et sœurs, à quoi bon fêter Noël si toi, tu ne viens pas au monde aujourd'hui ? Nicodème était un chef des Juifs, avons-nous appris par l'évangéliste Jean, un pharisien remarquable, qui n'avait probablement plus grand-chose à prouver. Il avait un niveau de connaissance digne des meilleurs théologiens. Seul problème, son savoir restait à la surface de sa vie. Il savait, mais il ne connaissait pas en quelque sorte. Il avait les informations, mais il ne les avait pas éprouvées au plus intime de lui-même. Tout ce qu'il pouvait savoir sur Dieu, sur la vie en plénitude, tout cela ne le touchait pas au cœur. Cela ne l'avait jamais changé de fond en comble. Et c'est ainsi que j'explique que Nicodème, tout respectable qu'il était aux yeux des hommes, n'eut pas le courage d'aller à la rencontre de Jésus en plein jour. C'est au cœur de sa nuit qu'il vint auprès de Jésus pour s'entretenir avec lui de ces questions qui le préoccupaient de façon ultime. Et c'est d'ailleurs cet épisode qui a donné naissance à l'expression « nicodémite », mise en lumière notamment par Jean Calvin, pour désigner ceux qui n'osent pas vivre leur foi au grand jour. Les nicodémites sont ceux qui vivent leur foi cachée. Eh bien, Jésus, en quelque sorte, coupe court à la discussion. Et d'entrée de jeu, il l'invite immédiatement à naître de nouveau. On pourrait aussi traduire « naître d'en haut ». Jésus lui fait comprendre qu'il faut arrêter de vivre seulement en fonction de ses peurs et jamais de ses désirs. Jésus lui explique que vivre constamment à hauteur d'homme, c'est s'empêcher de s'élever un peu plus haut que ses seules préoccupations. C'est s'empêcher de vivre au-dessus de nos propres moyens. À quoi bon fêter Noël si toi,
tu ne viens pas au monde aujourd'hui. Si tu restes enfermé dans ton tourment intérieur. Car Noël, ce n'est pas l'histoire d'une naissance qui reste dans l'ombre à jamais, cachée au cœur de la nuit. Noël, dès le départ, c'est l'histoire d'un énorme buzz médiatique. Beaucoup de bruit, et pas pour rien. Les bergers, des mages qui en apprennent, la cour royale, et puis de proche en proche, la région, toute la région, le bout du monde, nous aujourd'hui ici. Fêter Noël, c'est nécessairement fêter la fin de la vie cachée, de la vie avec la peur au ventre, avec la honte chevillée au creux des reins. Fêter Noël, c'est participer à la publicité de la vie. Fêter Noël, c'est être directeur de communication de Noël, de la vie que rien ne saurait arrêter. Noël, c'est mettre en évidence la beauté d'une naissance, la grandeur d'une existence. Et à quoi bon fêter Noël si c'est pour rester enfermé dans ses craintes, dans ses obsessions, si c'est pour ne vivre qu'un bout de ce que Dieu nous permet de vivre? À quoi bon fêter Noël si toi, tu ne viens pas au monde, aujourd'hui, là, maintenant? Si tu n'es pas libre de ta parole, si tes choix sont comme confisqués, si tu ne peux pas promouvoir l'éthique qui te semble la plus fidèle à l'Évangile. L'esprit qui te porte, l'esprit qui est ton souffle, nul ne peut le maîtriser en vérité. Nul ne peut le prévoir. Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il va. Il échappe à tous les pronostics, il échappe aux prédictions des Mayas, il échappe aux analystes, il échappe au FMI, au gouvernement, au professeur Ronchon. Ton esprit est au-delà de tout ce que les autres peuvent prédire à son sujet. L'esprit, c'est notre capacité à nous mettre en relation avec autrui et à produire du fruit. Eh bien cela, ça ne peut pas être mis en équation. C'est indéterminé, libre comme l'air qu'il remue sans cesse. Naître d'en haut, agir selon l'esprit, c'est laisser notre créativité donner toute sa démesure. Non pas à se conformer à la règle, non pas à se soumettre à la norme, mais aller au-delà. C'est découvrir que nous sommes autorisés à aimer sans limite, sans frein, sans peur, sans honte et sans reproche. Se sentir vraiment autorisé, se dire qu'on peut aller de l'avant. C'est ça l'œuvre de la foi. C'est dans cette perspective que nous devons considérer que nous ne sommes pas nés une fois pour toutes. Dans le dialogue entre Nicodème et Jésus, quelque chose de neuf se crée. Nicodème découvre un nouvel aspect de la vie auquel son intelligence, son savoir ne l'avait pas encore sensibilisé. Nicodème est en haut de la hiérarchie théologique et il a encore à apprendre. C'est plutôt bon signe pour nous. Il n'est pas vrai que nous n'en finissons pas de vieillir, lui dit Jésus. Ce qui est vrai, c'est que nous n'en finissons pas de venir au monde. Et c'est dans cette perspective qu'il est juste et bon de fêter Noël. Il s'agit de célébrer la vie qui excède par-dessus tout, qui excède tout ce qu'on en a dit jusque-là. Et quand vos parents vous disent ce que devra être votre vie, écoutez-les, mais sans plus, car il se pourrait que votre vie soit autrement plus intéressante que ce que vos parents vous proposent. C'est ça l'Évangile, ne pas se contenter de ce que nos parents nous proposent de vivre. Ne pas se contenter de ce qu'un pasteur peut vous proposer de vivre. Ne pas se contenter de ses propres rêves. La vie dépasse toujours ce que les plus grands cerveaux peuvent concevoir. Par les nouvelles rencontres que nous faisons, par les nouvelles entreprises que nous initions, nous ne nous contentons pas de ce que nous pouvons faire individuellement. Mais nous nous ouvrons à ce que nous pouvons accomplir ensemble, selon l'esprit qui nous unit, sur cette terre où Dieu nous donne d'évoluer.
Et si nous prenons au sérieux cette déclaration d'amour de Dieu pour le monde, si nous considérons que le monde n'est pas le lieu de l'enfer, mais l'objet de l'amour incessant de Dieu, alors notre vie ici et maintenant peut sérieusement s'intensifier. Elle peut gagner en qualité. Si nous prenons au sérieux cette déclaration d'amour de Dieu pour le monde, alors nous pouvons expérimenter d'ores et déjà cette vie éternelle qui consiste à vivre de manière absolue, sans avoir à regretter ensuite notre trajectoire. Dans notre face-à-face avec le divin, dans cet entretien entre Nicodème et Jésus, nous pouvons atteindre des sommets de l'existence à jamais constitutifs de notre être, que rien ni personne ne pourra jamais nous retirer. À quoi bon fêter Noël si toi, tu ne viens pas au monde aujourd'hui ? Parce que le miracle par lequel le monde est sauvé, c'est précisément le fait de la natalité, comme l'écrivait Hannah Arendt. En effet, c'est par la naissance, c'est par la natalité que notre humanité est à même de produire quelque chose de singulièrement neuf, capable de sauver le monde de la reproduction stérile, à l'identique, d'un état du monde qui, pour l'heure actuelle, le laisse un peu à désirer quand même. Il y a franchement des choses à améliorer. Et reproduire le monde, c'est le maintenir en l'état. Aimer le monde à la suite de Dieu, c'est agir pour qu'il soit un peu plus vivable, un peu plus propice pour être source de joie pour ceux qui l'habitent. Et ça, ce n'est possible qu'à la condition de sortir de nos tanières, que nous vivions au grand jour, que nous cessions d'être l'ombre de nous-mêmes. Sortir de la caverne de Platon, c'est sortir de la nuit de Nicodème. Fêter Noël, c'est célébrer notre capacité à ajouter de la vie à la vie. La capacité qui nous est donnée par Dieu de renouveler l'élan qui inlassablement nous attire vers la vie éternelle. Amen.